Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 12 sur Anno. Hop. Alors on est parti, la dernière fois on s'était laissé sur un bilan plus que négatif. Mais on baisse pas les bras. On peut le faire, on peut remonter. Enfin, Avertissement. on Arrêt espère. complet de la production. Ici, toi tu es full. Hop, tu vas repasser sur une production d'outillage. Est-ce que le thé va reprendre? Ça y est, production de thé a repris. Et ils sont moins mécontents. Ce n'est pas moi qui vais vous applaudir. Nos impôts trop faibles. Oui, ben. On essaye déjà de garder nos employés. Parce que ils sont. Enfin, ils essaient de s'alimenter en thé. Mais surtout, L'ennemi a derrière, été on éliminé n'est de... pas Vite. encore Alors au bout de nos peines. peines. Alors Ils retroussons les ont. manches et allons-y. Ils ont plus de poissons. Et Keto admire notre capacité à survivre. Merci, merci. Déclaration de guerre entre voisins. Notre argent ne remonte pas. Bon, ben, désolé, mais les taxes augmentent. Vous n'avez pas l'air très content que les taxes aient Mince, augmenté. j'espère seulement que ça ne va pas tourner à la... Bon, d'accord, on remet de bonnes taxes. Le problème, c'est que pour que les gens viennent, hop, voilà, il faut réduire les taxes. Sauf que là, les gens, pour l'instant, ne viennent pas. Si, ça y est. Les gens commencent à arriver sur l'île. On peut le voir en haut là. La population remonte. C'est bien. Allez à l'hôpital, il est juste à côté. L'action de l'île change de propriétaire. Ça y est, sur cette île, on est repassé dans le positif. Achat d'actions enregistré. Ici. Avec un centre de données plus grand, mes travaux progresseraient plus vite. Mais il faut bien que je me contente de ce Hop, que j'ai. si j'augmente, on va espérer que les gens viennent aussi. Avertissement. Production interrompue. Alors ici, pourquoi? Ah, parce qu'on est au max. Et bien si on est au max. Si on est au max, tu vas tout simplement t'arrêter pour le moment. On a dit réduction totale des coûts. Ici, ça a l'air d'être au max. Niveau munitions, on est au max. Avertissement. Dépeuplement. Non, vous n'avez pas le droit de vous dépeupler ici. Pourquoi vous n'êtes pas content? Qu'est-ce qu'il y a? Aux actualités, La ils ont dit que boisson. de plus en plus de gens On a adoptent. absolument besoin de votre aide. Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Réseau éducatif. Non, ça va pas aller. Ouais, bah, Je crains qu'il faille faire grain, qu'il faille faire vite dans cette affaire. toi, pour l'instant, tu veux qu'on ait des transmetteurs, mais on peut pas les charger, les transmetteurs. Sauf que cette île va finir par mourir de faim à cause de la marée noire. J'ai pas le choix. Je sais que je vais me le faire raser, mais... ici, commerce. J'achète du poisson. Et j'achète du thé. Je peux pas faire autrement. Mais non, ces bateaux arrivent pour me raser.
attaque ennemie de bateau. Sur un de vos bâtiments. Allez la petite tourelle, allez la petite tourelle, mets-toi en marche, mets-toi en marche. Avertissement. Attaque ennemie du bâtiment. Bon, il est parti, on a pu poser deux tourelles. Alerte. Ouais, forcément. Attaque ennemie sur l'un de vos bâtiments. On a coulé un de ces bateaux, c'est déjà ça, mais les autres pourraient nous aider. On n'arrivera pas à voir notre poisson comme ça. Tout ce que je vois là comme solution, c'est d'abandonner cette île aussi. Pour au final repartir entièrement sur cette île là. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne solution? Vu l'avance que comptent tous nos autres collègues. J'ai peur que ce soit une bêtise. Hein. Pourquoi il y a un bilan écologique si mauvais? Ah oui, il y a ça. Là, je n'ai pas bien d'idée. Ça m'embêterait d'abandonner cette île-là. Après, il y a une autre solution qui pourrait consister à prendre la nourriture qui est produite ici. Mais est-ce qu'on en a beaucoup? On en a 70 tonnes. Donc ici, c'est risqué. Mais il faut que je fasse ça. Toi, tu remontes à la surface tout de suite. Tu viens là. Tu emmènes tout le poisson. Rien d'autre qui t'intéresse. Tu fonces, tu fonces, tu fonces, tu fonces ici. Sur cette île là, on traîne pas. Tu me bâtis un entrepôt, tu viens ici, tu me décharges tout le poisson. Qu'est-ce que tu pourrais emmener qui pourrait m'intéresser sur l'autre île? Éventuellement tu peux prendre du verre. Tu peux prendre du bois. Non, t'auras pas le temps d'y livrer à l'autre île, laisse tomber. Je préfère ne pas perdre mon bateau. Abandonne. Et retourne sous l'eau, toi. Et tu vas te planquer. Avertissement. Attaque ennemie du bâtiment. Bon, ici on a réussi à leur redonner de la nourriture. Attaque ennemie sur l'un de vos bâtiments. Fin d'un conflit militaire. Jusque-là, tout va bien. Avertissement. Attaque ennemie du bâtiment. Avertissement. Attaque ennemie du bâtiment. Bon, vous détruisez ce bâtiment? Qu'elle arrête de me dire qu'il y a des attaques. Bâtiments commerciaux détruits par l'ennemi. Des pluies acides qui reprennent ici. Pile quand on commence à sortir un peu la tête de l'eau. Par l'ennemi. Bon. J'espère que vous allez pouvoir vous en sortir ici. L'argent commence à remonter. Boisson inadéquate. Ici, il faudrait que je vous fournisse soit des boissons, soit une autre nourriture. Sauf que ça, on l'a pas sur cette île. Ça, on l'a pas sur cette île. Donc, niveau boisson, vous allez faire une croix dessus. Et ça, ça se construit forcément sous l'eau. Eh ben, vous êtes mal barré, vous. Donc, je ne peux rien améliorer ici. Et toutes les îles sont prises, j'allais dire. On pourrait s'installer sur une autre île, histoire d'essayer de reprendre un bon début. Non, tout est pris.
Tout est pris et je ne pourrai pas améliorer ce d'ici. À moins d'avoir une île qui ait du café. Ici, je pourrais planter ce que je veux, mais pareil, elle a un bilan écologique négatif. Ma seule solution, c'est de sauver cette côte-là. Je vais faire une recherche. Il faut que je recherche la pompe. En espérant qu'elle puisse nettoyer la marée noire. Parce que c'est la marée noire qui a sapé le bilan écologique de l'autre île. Avertissement. Majorité critique. Prise de contrôle de l'île imminente. Cette île-là ? D'accord, tu vas te faire piquer ton île. Bon ben, enfin, c'est vos affaires. Hein. Allez, argent, monte, monte, monte. On veut absolument cette pompe. Inadéquate. Ça y est, je l'ai lancé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer pour y arriver, que ça suffise. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on te livre des marchandises? Annonce mais d'une déclaration. On peut pas. D'accord. Moi, je suis pas contre vous aider, mais je ne peux pas. Ok, la pompe avance. Par contre, il va falloir qu'on reconstruise un port pour pouvoir donner la pompe à notre navire. Et là où on prend un risque, c'est que le navire, on ne le contrôlera plus pendant qu'il activera la pompe. Donc on risque de le perdre à cause d'une attaque. Approvisionnement en boissons inadéquate. Allez, la pompe va bientôt être finie, il faut qu'on ramène le bateau. En espérant que ça puisse marcher notre idée. Allez, allez. Module terminé. Bon, ça c'est fait. Deuxième étape du plan. Avertissement. Sors de l'eau. Arrêt complet de la production. Tu viens tout de suite récupérer le module. Et tu t'en vas. Tu t'en vas, les bateaux arrivent pour raser ce bâtiment. Planque-toi. Ok. Tu vas venir te planquer ici. Bon. Et maintenant, c'est le moment de vérité. Type d'emplacement d'objets incompatibles. Peut-être que tu ressortes de l'eau pour pouvoir le faire. Comment ça, tu peux pas utiliser ce... Permet à une unité de nettoyer une côte polluée. Vous perdez le contrôle de l'unité pendant toute la durée du nettoyage. Utilisable pour développer des technologies au sein de l'académie. Cet objet peut être chargé à bord d'un navire pour être utilisé. D'accord, c'est pas le bon navire. Et zut. Tous les systèmes sont connectés. Donc il va nous falloir celui-là. Navire amiral prêt. Système de navigation activé. Je vais attendre que ces navires à lui soient... Comment tu m'as trouvé? Sérieusement. Sors de l'eau. Vite. Quoique non. Non, ce qui m'arrangerait, c'est que tu coules, mais pas ici. Il faut que tu coules ici. Attaque de l'un de vos véhicules. Partie sauvegardée.
Bon, c'est pas grave, ta cargaison est là. Je vais attendre qu'ils aient rasé le bâtiment. Les conséquences risquent d'être catastrophiques. Navire amiral prêt. Lancement des procédures de contrôle. Allez, rasez-moi ça et rentrez chez vous. Bien. Toi. Je suis à votre service. Votre commande, donne-moi votre mon bateau. Commande a été confirmée. Les marchandises ont été expédiées. Allez, tu vas récupérer ça le plus vite possible. Tous nos espoirs reposent sur toi. Allez, petit bateau, ne meurs pas, je t'en supplie. Au pire, option diplomatique, Keto. Capitulation ne suffira pas. Mon client veut vous voir mort. Bilan écologique. Vous êtes la cible. Ni plus, ni moins. 3000. Allez, allez, allez. Allez, donnez-moi les 3000. Voilà. Baissez la garde. Ok, ok, je suis quand même... C'est bon. On a obtenu un cessez-le-feu. Et maintenant, notre bateau, il n'y a plus qu'à attendre. Je ne sais pas combien de temps il lui faut pour y arriver. Je passais dans le coin. Quelqu'un aurait-il... On va le laisser tourner, de toute façon on peut rien faire d'autre. Ici, est-ce qu'on pourrait éventuellement augmenter le nombre de maisons? Ou à la rigueur, essayer d'augmenter le bilan écologique. On a toujours ça, mais c'est que plus 15. Après il y a celle-là, mais on n'a pas encore ce qu'il faut pour la débloquer. Là, c'est plus 40, ça pourrait être sympa d'en mettre quelques-unes sur cette île-là. Faut qu'on récupère notre île principale. Vous voyez le bilan écologique ? Donc si on arrive à le remonter assez, alerte. Je n'aurai... Attaque de l'un de vos véhicules. Je croyais qu'on avait un cessez-le-feu. C'est des pirates? Ah non, c'est Keto. Votre commande a été confirmée. Oh, on va être obligé de recommander un navire. Mais c'est dommage parce qu'on y était. On était bien parti. Hein. On va réussir à réduire d'un traité de ce problème. Il y a beaucoup d'avions qui passent là. Je suis en train d'attendre pour recommander un navire. Navire amiral prêt. Veuillez embarquer. Ce qui m'embête, c'est que on était en plein cessez-le-feu. On a réussi à nettoyer une partie des côtes. Enfin, on commence. On est toujours à moins 350. Et le cessez-le-feu va se finir quand on pourra avoir notre bateau. L'action de l'île change de propriétaire. Allez, allez, arrêtez d'être mécontent. Dans ce secteur. Non. Oh, ça va, c'est pas chez moi. Toi, par contre, tu vas peut-être avoir un petit problème. Non, non, tu tournes pas. Non, tu tournes pas dans ce sens. Tu peux aller à l'ouest, tu peux aller au nord, tu ne vas pas à l'est. C'est interdit. Sur la carte des vents, c'est marqué. Sympa comme effet, la tornade. Terminé. Les affaires reprennent normalement.
Eh, mais j'ai pas le choix. Votre commande a été navire amiral prêt. Veuillez embarquer. Il y a un risque, et c'est la raison pour laquelle je vous le demande. Tu veux qu'on fasse des recherches? Quelqu'un aurait pris mes marchandises? Je vois plus les caisses. Eh mince, quelqu'un a pris la pompe. Tout est à refaire. Ça en est démoralisant là. Seul moyen que je vois, c'est d'économiser assez d'argent pour pouvoir faire le nettoyage de mes côtes tout en étant tranquille au niveau de Kito. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Tornade sur l'île voisine. Oui. Sachant qu'en plus il y a une tornade. Avertissement. Véhicule attaqué. Voilà, le véhicule a été attaqué. Navire amiral prêt. Système de navigation activé. Oui, j'annule ta quête. Vous avez enfin la possibilité de vous rendre utile. Douloureux revers. Et je oui. Ne tolérerai aucun... Ah, mais c'est bon, arrêtez, lâchez-moi un peu. Non mais, wow. Et vous allez manquer de nourriture. Là, je n'ai pas la moindre idée de comment me sortir de là. Je pense que je vais laisser tourner un petit peu entre les deux prochains épisodes. Ben, le temps que l'argent remonte un peu, hein, c'est le seul truc qu'on incendie sur une île voisine. Peut espérer avoir. Tornade sur l'île voisine. Oui, la tornade, elle a fait des ravages. Alors, est-ce qu'avec la chance qu'on a depuis... au début de cette partie, la tornade va continuer tout droit chez nous. Incendie sur une île voisine. L'île voisine lutte contre. Après, je vais pas me plaindre, c'est l'île de celui qui arrête pas de nous embêter depuis tout à l'heure. Incendie sur une île voisine. Bon, l'argent remonte. Il faut que la marée noire passe. Mais j'ai des doutes sur le fait que ça arrive. Il va falloir qu'on relance une recherche en plus, donc il faut encore de l'argent. Ça va pas être simple. Et ici, je peux me faire livrer quoi ? Rien d'intéressant. Île voisine, menacée par une tornade. Ah, la tornade est montée. Oh, oh, oh. Non, non, tu viens pas à droite. Continue. Continue, tu rases la petite île bleue, puis tu continues sur celle-là, tu continues sur celle-là. Majorité critique. Prise de contrôle de l'île imminente. Quoi, ouais. Ici encore ? Vous êtes vraiment en train de vous battre pour cette île, tous les deux. L'avantage, c'est que moi, comme j'ai pas de port d'échange, vous pouvez pas. Cette île m'appartient quoi qu'il arrive. C'est plutôt bien. Corde de piano rouillée. Pourquoi on a ça? On ne sait pas. Coordonnées sous-marines. Filtre. D'accord, on a quelques bêtises, là. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire de notre argent? Avertissement. Production interrompue. Toi, tu t'arrêtes. Quoique non, tu peux reproduire des outils. Et les revenus sont très fluctuants. Fin d'un conflit militaire entre voisins. Fin d'un conflit militaire... entre voisins. Bien du coup, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour l'épisode 12. Ce que je vais faire, c'est que, donc, hors caméra, je vais laisser un peu tourner. Enfin, je vais surveiller quand même pour reprendre au cas où il se passe quelque chose. Et je vais laisser l'argent monter.
toute façon, la partie avance pas bien pour l'instant. Je vais essayer de nous faire un petit stock pour pouvoir faire quelque chose dans la prochaine... dans la prochaine vidéo. Voilà. Du coup, eh bien, on va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.